Quel est le moment intime que tu regrettes le plus? Là, j'ai fait caca dans la bouche d'un mec. Damn! Oh putain! Le moment intime, bah en fait, que je regrette le plus, je crois que j'ai couché avec un mec, mais il m'avait tellement fait espérer que ça allait tellement bien, que j'allais prendre mon pied et tout ça, que arriver au fait accompli, c'était très très nul. Très 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 nul. Tu l'as revu ou quoi? Non, bah non, bloqué direct. Hein. Hey! Si vous aimez bien cet épisode, lâchez 20 000 likes et je ferai la troisième partie. Alors les filles, vous êtes prêtes pour la question ou pas? Oui. Ah ouais? Vous redoutez pas? Il n'y a pas de restrictions? Non, ça va. Non, hein, ça va. Non, ça va. Alors, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Est-ce que t'es prête? Vas-y. Alors dis-moi, quel est le moment intime que tu regrettes le plus? De pas manger. Oh. De pas manger? Ouais. Là, on parle de moment intime. Mon moment intime, moi, ouais, c'est la bouffe, quoi. Le moment intime, on parle de l'intimité. Quand on parle de l'intimité, on voit la sexualité. Alors dis-moi, un moment intime que tu regrettes le plus? Franchement, non, j'ai que un copain et ça c'est se passe pas grave, très bien. Avec lui. Franchement, il y a tout que j'aime. Quel est le moment intime que tu regrettes le plus? Le jour où j'ai perdu ma virginité. Ah, le jour que t'as perdu ta virginité. Pareil pour tout le monde, hein, on peut dire. Non, mais parce moi, je regrette vraiment. Tu regrettes vraiment? Si t'es pas prête? Non, mais si j'aurais pu éviter, je l'aurais évité. Ah ouais, tu l'as fait à quel âge pour la première fois? J'avais 16 ans. 16 ans? D'accord. Tu aurais bien aimé le faire à quel âge alors? J'aurais dû attendre le mariage. Écoutez, quel est le moment intime que vous regrettez le plus? Le moment intime que je regrette le plus, c'est quand j'ai vu qu'il y avait un gars et ça sentait le pipi en fait. Ah. Oui, c'est pas lavé, je pense. Du coup, ça a mis un frein. Voilà. Je comprends. Les gars, la propreté, c'est très important. Franchement, faut savoir avoir de l'hygiène, en fait, c'est ça. D'accord. Super. Et toi, il y a un moment intime? Moi, il n'y a pas de moment intime. Comment ça, le moment intime? Avec son partenaire? Avec son partenaire, bien sûr. D'accord. Ça peut être toi-même, de ton côté. Voilà. Non, bon, personnellement, moi, il n'y a pas de moment que je regrette. Mais je connais la vie à lancer un petit fait. Keba, wesh. Genre quoi, parle en français. Non, attention. Non. Comme mon beau-frère, il va voir la vidéo là. Est-ce que vous pouvez me dire le moment intime que vous regrettez le plus? Oh là là. Oh non. Ouais. Un moment intime. Par exemple, moi j'ai fait que 2 minutes là. Bah justement, ça ressemble à ça. On va dire que on a commencé les choses, mais on n'a pas eu le temps de vraiment commencer les choses et c'était déjà fini. C'est un peu compliqué, mais... C'est-à-dire qu'en gros, il avait toujours son jean et c'était fini. Et c'était le moment le plus... Attends. Échec là, total. Non, échec total, ok. Mais... Échec total, ouais. Attends. Fail. Vite, c'était epic fail. Ouais, apparemment. Mais juste, tu vois, parce qu'on s'embrassait, tu vois. On se chauffait un peu, tu vois. Non, avant, il avait toujours son jean, hein. Attaché et tout. Mais il a... Voilà, c'était fini. Et il a dormi après, en plus. Quel est le moment intime que vous regrettez le plus? Moi, je fais pas des trucs comme ça, moi. On parle de l'intimité, là. Ah, le moment intime que vous regrettez le plus? Le moment intime que je regrette le plus, ouais, c'est de pas avoir prié dans une église. Jamais. Parce que la foi de Dieu, franchement, c'est important. Si ça a passé un message, priez sans cesse, c'est important. Les temps sont durs, Jésus revient bientôt. Donc c'est un message que j'aimerais faire. Là, je prie dans l'église fidèle là, en Christ. C'est un message. Oui. Mais c'est pas un message que tu regrettes. Là, je prie fidèle en Christ. Et vous pouvez venir le dimanche, on est ouvert de 13h à 18h. C'est où l'église? À Nanterre. Nanterre, hein? Oui. Vas-y. Et toi, le moment intime que tu regrettes le plus? Franchement, je sais pas. Y'a pas? Non. Sérieusement? Ouais. Pourquoi t'as toussé? Hein? Pourquoi t'as toussé? Parce qu'il fait froid, c'est tout. D'accord. C'est tout? Merci beaucoup. C'est tout. Quel est le moment intime que vous regrettez le plus? C'était avec un haïtien. Avec un haïtien? Ouais. Et du coup... Bah, il était nul au lit, quoi. Il était nul, ça faisait pas de sensation, quoi. Oh! Oh, seigneur! Un haïtien? Un haïtien, il est nul. Mais non. C'était petit. Moi je parle français. Moi je te parle français, je suis désolée, je parle pas noisy. Le moment intime que vous regrettez le plus? Ah, c'est compliqué, hein. J'en ai pas. Ah ouais? D'accord, et toi? Moi je sais pas, le gars il a mis sa main dans ma bouche en fait, j'ai pas compris. Ben ouais, c'est un bon délire.
C'est un bon délire. J'ai pas compris. Mais c'est un bon délire, non, c'était pendant. Non mais en fait, il a mis sa main dans ma bouche comme ça, genre. Je comprends pas. Quel est le moment intime que tu regrettes le plus? Je me suis cogné le front. Non, il y a deux. Je voulais torquer, j'ai pété. Oh, mais non. Comment? Tu voulais twerker, il y avait ton gars. Et t'as pété. Oui. C'est peut-être parce que le mec, en fait, il a craché trop vite. Au bout de 5 secondes. Oh putain. Ouais. Oh, wesh. Et en plus, c'était un Renoir. De quel pays? Sénégalais. Oui. Comment tu t'appelles? Léa. Léa, moi, c'est des games. Enchanté, Léa. Alors, dis-moi, Léa. Quel est le moment intime que tu regrettes le plus? Je regrette, je pense que quitter mon pays, c'était, je ne regrette pas, mais c'est le plus difficile. Le plus difficile? Oui. D'accord. T'es en France, ça fait combien de temps? Depuis septembre. Depuis septembre, ça va, ça se passe? T'es seule? T'es en France? Oui, je suis seule. Ça évolue? C'est pour les études? Oui, pour les études. D'accord, faut pas regretter. Hein. Oui. D'accord, mais moi, quand je parle de l'intime, je vois la sexualité. Mais intime, maintenant un moment que toi tu regrettes, ça aurait pas dû. Je ne regrette rien. Tu regrettes rien? Non. Non, tu mens. Quel est le moment intime que tu regrettes le plus? Le moment intime que tu regrettes le plus? Ouais. Oh putain. Le moment intime, bah en fait, que je regrette le plus, je crois que j'ai couché avec un mec, mais il m'avait tellement fait espérer que ça allait tellement bien, que j'allais prendre mon pied, tout ça, que arrivé au fait accompli, c'était... Voilà, c'était pas ouf, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Très très nul. Très nul. Tu l'as revu ou quoi? Non, bloqué direct. Hein. Moi, je perds pas de temps. C'est-à-dire que tu enlèves ton pantalon, tu rentres dedans, si ça me plaît pas, je te dis tout de suite, on arrête, stop, je prends mes affaires, au revoir. Comme ça, il n'y a pas de... Tu vois, parce qu'on peut pas la vie. Tu vois, je suis plutôt franche. Super, je manque des mots là. Franchement, elle est cash, elle a tout dit en fait. Il n'y a pas de commentaire à rajouter. Quel est le moment intime que tu regrettes le plus? C'est le moment intime. Oh, mais si je le dis, c'est l'affiche. Le moment intime que tu regrettes quand le plus. Caca dans la bouche d'un mec sans faire exprès. Dans la bouche d'un mec? Ouais, mais... What? Non, mais... Attends. Il faisait un cunier et tout. Et il m'a dit de me lâcher. En fait, je sais pas, c'est sorti tout seul. Arrête. Et après, non, la suite. La suite, c'est qu'il m'a pas donné de nouvelles. Attends, donc t'as chié sur la bouche? Mais j'ai pas fait exprès. C'était pas intentionnel, je te jure. Quel est le moment intime que tu regrettes le plus? Ah, je vais pas dire ça. Le moment intime que tu regrettes le plus? Non, je dis pas. Tu dis pas, hein? Non. Confidentiel, hein? Oui. Personne peut savoir, hein? Ouais. Dites-moi, quel est le moment intime que vous regrettez le plus? Moi, je sais pas, je t'ai dit. Et toi? Moi, je sortais avec un garçon. Et après, quand il m'a embrassé, il savait pas faire, du coup, je l'ai quitté. Voilà. Ah, il savait pas galoche, quoi? Non. Aïe, ça remonte en longtemps ou récemment? Ça fait quelques mois, je crois, c'est comme quelques ça. Mois. Mais c'est pas. Non, du coup, vous regardez. Horrible, quoi. D'accord, ouais. Vous regardez quoi? Je m'en fiche. D'accord. Ouais, ça part du ramadan. Ah ouais, stylé le truc. Tu le fais ou pas? Après moi je fais le ramadan mais en fait juste pour maigrir. Tiens. Pour la forme et tout. C'est pas pour Dieu? Si un peu mais en tout cas moi je le fais juste pour maigrir, sinon je le ferais pas. Jamais. Même quand je fais le ramadan je gère des meufs, mon gars. Mon gars ramadan américain, mon gars. Attends, t'es dit quoi? Ramadan américain, mon gars. Oh, you big head on the...
Gucci gang, 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 Gucci gang. Sprinting the racks on new chains. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name. I can't buy me no.